T'as ton casque là-bas. C'est bon là? Bonsoir, c'est le duo de cons de YouTube. Aujourd'hui, on va faire quoi? On va écouter les prods que vous nous avez envoyés pour le FLPLS Challenge. Non, le challenge. Vous avez fini le challenge, donc là vous nous avez envoyé vos prods pour le challenge et on va écouter le challenge. Donc ouais, pour ceux qui n'ont pas suivi, on vous invite à aller regarder la dernière vidéo où on en parle. En gros, vous finissez nos projets et le gagnant remporte un tacos signé par nous-mêmes. Et nos deux drum kits. Brocoli et chariot. Mais ce qui est important, c'est que le tacos, il y a supplément ananas dedans. Et ketchup harissa. On aura l'honneur de lâcher un énorme croc dedans. Et on vous envoie ça par la poste. Donc voilà, aujourd'hui, on va vous faire écouter le grand gagnant et 5 mentions honorables qu'on a choisies. Mentions honorables, ce sera les mecs qui nous ont plu, mais qui étaient un peu nuls pour gagner. Tu vois. Ouais. On commence par qui? Je propose qu'on commence par Metro Boomin qui nous a envoyé une prod. Ouais. Mais après lui, il était pas ouf. C'est chaud, on écoute Wondagirl là. Ouais, Wondagirl du coup. Bon, du coup, on va écouter Nasjin Beats. C'est Bartos, Sébastos. Dédicace au Sébastien, j'appellerai Sébastos durant la vidéo. Que 4 minutes l'intro, hein. Enfin, le début. Avant, ça nous en aurait pris 25. Eh mec, on est de plus en plus. On a dit autant de merde que d'habitude. Juste c'est plus condensé. Nasjin qui a choisi de travailler sur le FLP pue la merde et qui en a fait quelque chose de bien. Qui pue la merde mais moins. Non mais j'ai bien aimé la première partie qui est sympatoche. Et la deuxième c'est un peu plus spécial mais c'est tout aussi sympatoche. Ça sera tout pour notre avis d'expert. Mais en fait là c'est pas intéressant parce que les tracks sont bien. Enfin c'est pas intéressant. On n'a pas grand chose à dire parce que les tracks sont bien. Bah ça, on a très peu de conseils à donner pendant la vidéo, donc juste admire. La beauté, tu vois. Donc ouais, bien joué à toi, Nasjin. Bah du coup, vous avez ces liens dans la description. Donc n'hésitez pas à aller donner de la force. Exactement. Du coup, là, on va écouter Koto Blaze. Ça. J'ai beaucoup aimé l'intro. Ouais, la fin vraiment lourde. L'intro, je pense que c'est le point fort. Il y a délire. Ça finit bien, genre en douceur et tout. Ouais. En vrai, ce son est assez abusé quand même. Assez abusé. Moi, perso, ce que j'ai le plus kiffé, c'est quand même la deuxième partie. Les parties carrément, genre dans un autre délire, style plus futur bass. Ouais. C'est ça, non? Dans les sonorités, tu vois. Casse pas les couilles, puriste de même. Et sinon, la première partie, bah, c'est ultra technique, c'est bien fait, tu vois. Mais c'est la triolée, quoi. Nous, la triolasse. Ouais. Ça dégage. On n'est pas super fan, mais on reconnaît la performance qu'il y a. Ouais. C'est pour ça qu'il est dans les mentions honorables. Tout à fait. Ouais, bah écoute, rien à rajouter. Hein. Ah oui, le mix est très clean. Ça t'aurait pas tué de faire une outro, je pense, quand même. Bon, du coup, on va écouter le troisième. Non, mais après, les mentions honorables sont pas vraiment dans l'ordre. T'as capté. Le dénommé Teddy94. Qui avait retourné la section commentaire de la dernière vidéo écoute de prod. Donc c'est Teddy94 avec sa track Concours à le bac. Mais du coup, il s'appelle pas Teddy94, il s'appelle Soki. Soki. Sur SoundCloud. Pareil, les liens sont dans la description, allez check. Follow, il a que 50 followers. Parce qu'on n'avait pas pu filer ses liens dans la vidéo de prod. Donc là, vous les avez, tu vois. Thank you.
La première partie très très lourde, la deuxième est lourde aussi, sauf que la cape... Ouais, elle est pas ouf quand même. Elle s'y prête pas trop, on va dire. Je sais pas, je trouve que ça colle pas vraiment. Ouais, ouais. C'est le point négatif de cette... musique. Du coup, allez follow Teddy94, AK Soki. Ensuite, pour la prochaine track, on va écouter Gunchy en collab avec Keith Knight, qui sont tous les deux des modos de notre Discord. Donc qui pour nous est une très bonne prod. Et on a décidé de la laisser en mention orale parce que justement, c'était deux modos de notre Discord. C'est des très bons potes. On voulait pas faire gagner des... Sinon, ils se faire chier dessus. Et moi, j'aime pas trop me faire chier dessus, perso. Donc Lacoste. Un peu vénère. Mais on est là. Non mais la track est ouf, la track est carrée dans l'axe. Mais ouais, c'est très très lourd. Première partie, les kicks, hein, on est là. On est là, un peu fort. Vite fait, dans la transition de la deuxième à la troisième partie, des trucs trop forts, tu vois, mais là, je casse les couilles, normal. J'aime bien quand une track est lourde, critiquer quand même. C'est juste chiant en fait, je trouve. Du coup, maintenant, on écoute 406 Break de Icon. La 406 Break, qui est une voiture de chez Peugeot, assez communément répandue chez les familles modestes, habitant dans les banlieues comme Toulouse par exemple, style Saint-Jory ou Grattentour. Ouais, au Grattentour. Et en général, quand tu conduis une 406, tu t'appelles genre Christophe. Ou Thierry. Bon, c'est tout pour l'histoire de la 406. C'était un peu l'histoire de la prod, tu vois. Ouais. C'est ce qu'il y a derrière. Du coup, on écoute de suite. Ou Dylan, d'ailleurs. Hein? Tu conduis une 406, bref. Ah, tu peux t'appeler Dylan, tu peux t'appeler. Mega fiesta. Ok, du coup cette prod était pas mal. On a bien kiffé, surtout la première partie on va dire. Genre c'est surtout pour ça qu'elle est là. Elle sort un peu de tout ce qu'on a l'habitude d'écouter sur cette chaîne. Et du coup ça... beaucoup de tracks genre house et tout ça. Ça fait grave plaisir et c'est ultra bien exécuté. Genre j'avais l'impression d'être... Ibiza. Genre là tu vois je suis au bar là, je me commande un petit vodka Red Bull à 8€ avec ma chemise blanche. Avec du gel. Ouais. Ouais. Ouais pour mes cheveux. Tu sais les cheveux et tout là, les cheveux longs. Ce qui fait qu'elle est juste en mention honorable, c'est la deuxième partie, Trap, qui était pas... Coussi coussa. Hein. Mais ouais. Sinon, la prod est ouf, quoi, genre... Donc on va écouter la dernière, c'est la dernière. Oui, c'est le gagnant, qui est... Attends, faut faire le suspense. Alors vas-y, là au pire, on te laisse comme ça dans la vidéo, et ça fait le suspense. NK Beats. Donc NK Beats qui a gagné un tacos. Bravo à toi. Et cette médaille. Et nos drum kits quand même. Parce que c'est le seul truc qui a de la valeur dans ce qu'on fait gagner. Franchement, ma médaille, mec. Ouais. Elle vaut cher. C'est quand même une médaille. Yeah.
Voilà, voilà. Donc, bien joué à toi. Bien joué à toi. Tout était très très clean, ouais. Tout était très très propre. En fait, on a choisi cette prod en particulier parce que elle est peut-être moins impressionnante et moins technique que toutes les autres. Mais on a trouvé que c'était super bien réalisé, que c'était très propre. La petite flûte qu'il a ajoutée là, grave stylé. Et puis, c'est plus un tie beat. Et comme sur cette chaîne, on fait surtout des tie beats, on essaie de. Oui, c'est bien d'avoir quelqu'un qui a fait un tie beat très propre en plus. Ouais, c'est ça. Donc voilà, allez donner de la force de ouf à Hank Beats. Anka. Donc, bravo à toi. On mettra tous ces liens dans la description. Mais est-ce que tu serais pas Fald? Ouais, parce que t'as quand même le même style, tu vois. Ouais, ça c'est insane. Donc je voulais poser ça. Mais en tout cas, fais une collab avec Fald. Ouais. Du coup, on voulait aussi dire bravo à tout le monde, parce qu'il y en a quand même reçu... environ 350 mails. 350 prods. Il y avait du très lourd dans beaucoup d'autres prods et on n'a pas pu tout mettre, on a peu le seum. Mais il fallait qu'on limite le nombre de mentions honorables, on est parti sur 5. En tout cas, force à tout le monde. Ça fait grave plaisir d'avoir reçu autant de prods. On espère que le nouveau concept vous plaît. Si vous voulez revoir des vidéos dans ce style, on continue ce concept, vous nous le dites. Mais un commentaire. Algorithme YouTube. Même si vous voulez pas, on s'en fout, on continuera. Que ANK Beats. Bravo. Bravo à toi, tu vas pouvoir repartir avec un joli tacos, avec double croc du Valbac. Et une belle médaille. Et au passage, nos deux drum kits, mais ça on s'en bat les couilles. Merci à tous ceux qui ont participé et on espère vous voir aussi nombreux, voire plus nombreux dans la prochaine. Faites tourner le concept, n'hésitez pas. C'est un concept qu'on aimerait bien lancer un peu là, ça se fait pas trop pour le moment. Donc allez-y, commentez, mettez des likes, faites-vous plaisir. Comme ça, il y en aura plein d'autres, il y aura plein de nouvelles éditions du challenge. Les prochains FLPLS, on fera, parce que c'est quelque chose qu'on va continuer de faire. T'as capté. On va pas faire de vidéo spéciale dédiée à vous présenter les projets sur lesquels vous allez travailler. On fera ça directement sur Insta ou sur Discord, parce que faire une vidéo spéciale pour vous annoncer ça en gros c'est pas nécessaire, tu vois. Mais du coup, pour les prochains, t'invite à follow notre Instagram, en plus comme ça on gagne des followers, tu vois, c'est stylé. Abonne-toi à notre Instagram et tu seras au courant de toutes les prochaines éditions de FLPLS à venir, tu vois. On fera toujours sur Discord plus Instagram, donc c'est à toi de voir si tu préfères l'un ou l'autre ou les deux, pour n'en rater aucune. Donc à plus dans une prochaine vidéo. Exactement. Qu'on fera sûrement la 2. Exactement encore. Avec un format de ouf dans lequel il va se passer des trucs de ouf. Il a dit des choses. À dans une semaine, les amigos. Bise. Bise, amical. Merci. Donc j'ai demandé la calculette et apparemment j'ai un petit zizi.